seulement. Pendant cet arbre à bras pour être j'étais cara. J'sais n'importe quoi, j'étais cara. Ma blonde, c'est Joanne Louin. Joanne Louin, pas Jocelyne Louin. Je sais que de dos, il s'en sort. Mais ici, pas besoin de Miss Météo. Au début, quand ils sont venus me voir pour l'émission, ils m'ont dit que c'était prêt à un mélange de Station Soleil et de Téléservice. J'ai pensé après ça, Station Service. Ça allait bien avec l'émission, hein? Ordinaire, avec un animateur super, mais sans plomb. Ah! C'est tout ça que je fais le plein. Ah! Puis beau et chaud, ça c'est Joanne qui a trouvé ça. Un soir que je rentrais à 4h du matin. Donc ce soir, nous allons vous raconter une histoire. Une histoire italienne. L'histoire à Paolo. Si Paolo m'était Conte. Je pourrais chanter ma liste d'épicerie et tu dirais que je suis un génie. Ah, ah, ah. Comédie, 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 comédie. Je suis le salami à Deiopi, mais je pourrais chanter le poulet frit. Ah, comédie, comédie, toujours. La 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 la. Les paroles sont écœurantes, Paolo. Voici maintenant un chroniqueur que vous attendez depuis au moins 10 secondes. Vous l'avez vu dans le Pirate Maboule. Vous avez changé de poste dans les grands esprits. Il possède la plus grande collection de disques classiques du Québec. Et pour nous ce soir, il écoute du rock Edgar de Moon Fruitier. En passant, Normand, je n'ai pas seulement la plus grande collection de disques classiques, j'ai aussi la plus grande collection de pochettes de disques. J'ai écouté quelques compact disques. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le compact disque, c'est comme un couvercle de pot de margarine, mais au laser. J'ai également écouté du heavy metal. C'est le dernier disque de Iron Maiden. Ça, du heavy metal, c'est comme de la musique faite par un lave-vaisselle. Hein? Moi, personnellement, je préfère écouter mon lave-vaisselle. Du heavy metal. D'ailleurs, on m'a dit que si on faisait jouer du heavy metal, le volume au bout, eh bien, le diable venait. J'ai essayé, c'est assourdissant. Bien, le diable est venu. Il m'a dit de baisser le volume. J'ai également écouté le dernier disque de Prince. Une magnifique pochette où Prince est nu comme un verre. Un
revers nu, bien sûr. C'était un magnifique long jeu. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'écouter les chansons. J'étais trop occupé avec la pochette. D'ailleurs, il paraît que Prince va bientôt sortir à 12 pouces. Hein. Ça m'étonnerait pas. Alors, c'est déjà terminé. La semaine prochaine, nous parlerons des disques rock préférés du prince Charles. Les disques de rock et belles oreilles. À bientôt. Au revoir. Salut tout le monde. C'est moi l'élu, le chum à Jojo, un journaliste dans la seconde. Il doit pas être seul, les journalistes, cet soir, hein? Ils sont pas tous bons comme moi, par exemple. Il y en a qui écrivent n'importe quoi. Il y a même un qui écrit que Michel Richard, c'est une lasagne. Pas bien, bien bright, ça? Mais non, donc, une lasagne, c'est bon. On m'arrêtait là, je veux pas me faire poursuivre. Oh, beau petit crétin, Jojo. Il est en retard. Et moi, je l'ai baissé, Jojo. C'est sûr qu'il y en a d'autres filles dans la série, là. Natacha, l'espionne russe. Ben, il m'excite assez son accent quand t'es tout nu. Moi, j'aime mieux Jojo. Jojo est parfaite pour moi. Elle est joyeuse et franche. A du goût. C'est folle. Amen. Oh mon petit crétin, Jojo. Oh, petit crétin. J'espère qu'elle ne m'a pas échangé. Mon cœur va tellement fort, là. J'entends craquer ma cage thoracique. Je l'aime tellement que je pense que j'ai le goût d'avoir de la peine, moi. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, ici, le café Rêveau. J'ai laissé au café Rêveau une page de mon carnet de notes.